Amis Colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, les amis, il fait beau aujourd'hui. Avec un vent plein est, on est à l'ouest nous. On entraîne les tardifs. Attention amis Colombophiles, c'est les tardifs et les pigeons qui n'ont pas été joués l'année dernière. Ils ont zéro expérience. Ce que j'ai dit la dernière fois. C'est pas les pigeons, c'est pas les vieux pigeons. On n'entraîne pas les vieux pigeons, c'est pas encore. C'est pas encore le moment d'entraîner des vieux pigeons. C'est uniquement les tardifs. Voilà, nés en septembre, nés en octobre, nés au mois de juin, juillet, août. Ou éventuellement des jeunes, même qui sont nés en février, mars, mais qui n'ont pas été au concours. Il faut être hyper vigilant face à ça. C'est pas la période encore. On n'entraîne pas les vieux pigeons qu'on va mettre au concours au mois d'avril. En tout cas, c'est que des bacs, c'est que des 2019. Donc, voilou, par cette vidéo, je tiens à remercier tous les gens qui ont misé et qui continuent à miser sur la vente qu'on a mis en place pour le local, pour le futur local. On a l'intention en fait de créer un nouveau local plus grand. Un nouveau local Colombophile beaucoup plus grand et on a vraiment besoin de vos dons amis Colombophile. Si vous n'êtes pas à 10, 20, 30, 40, 50 euros près, franchement ça va énormément nous aider. Voilà, s'il y a des généreux donateurs, mais enfin généreux donateurs bien évidemment, qui seraient heureux enfin en tout cas d'acheter un des bons qui a été mis sur le site de la 12e région, n'hésitez pas à me demander le lien comment dire de cette vente si vous ne l'avez pas, parce que parfois j'ai des colombophiles qui sont pas amis avec moi sur Facebook et qui savent pas forcément qu'il y a une vente qui a été mise en place. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas amis avec moi sur Facebook, n'hésitez pas à demander le lien. Vous allez directement sur le site de la Fédération Colombophile de la 12e région. Vous allez dans Vente aux enchères et vous allez voir Vente du Vaillant Racing Club. Et n'hésitez pas à miser. Il y a 31 bons. Il y a quelques bons qui n'ont toujours pas pris preneur et c'est bien dommage. Et d'autres qui continuent à grimper. Voilà. Et surtout, cet argent-là, elle va servir à construire un plus grand local, à acheter des nouveaux paniers. Et c'est la première vente qu'on met en place au sein de notre club, parce que notre club il est nouveau, c'est un club qui a c'est la troisième saison en fait. Donc voilà, toute aide de votre part par le biais d'un achat d'un bon, sera important. En tout cas, il va nous permettre vraiment de nous aider. Donc encore une fois, merci aux donateurs et merci à tous ceux qui misent. Et j'espère vous voir nombreux, comment dire, à Fougard this weekend, ce week-end, à la foire internationale de la colombophilie en Belgique à Courtrai. Voilà, il y en a certains que je connais pas et avec qui je parle régulièrement, donc ça va être un plaisir de pouvoir les rencontrer. Je vais souvent être avec mon téléphone portable, donc l'idée aussi c'est de pouvoir, comment dire, faire aussi des vidéos à Fougard pour montrer un petit peu aux amis sénégalais que je salue en tout cas de la France. Salut à tous les amis sénégalais, un grand merci à vous tous, tous ceux qui se sont abonnés, merci beaucoup les sénégalais. Je salue aussi mes amis du Maroc, les amis belges aussi, les amis du nord de la France, les amis du sud, les amis enfin de partout, tous ceux qui aiment bien les vidéos de Joe. Je vous salue et je vous dis vraiment merci à vous tous de regarder toutes ces vidéos là. Et même quand il y a un manque, il y en a certains qui me disent mais faut que tu nous fasses une vidéo. Donc franchement j'apprécie énormément et voilà, je vous dis big up, je vous souhaite en tout cas énormément de réussite dans votre saison Colombophile cette année. Et on va lâcher les pigeons là, ça fait 5 minutes qu'ils se repèrent. À peu près 5 minutes. Il faut toujours les laisser se repérer un minimum. Donc là comme on voit, il y a du soleil. Il fait un petit peu froid, il fait 9 degrés. Le vent est froid. Donc là on est à 25 km à vol d'oiseau. À vol d'oiseau,
beaux, les colombiers sont hyper propres, les traitements ont été faits. Et ils vont bouffer pas mal d'entraînement. L'objectif, c'est de leur donner de l'expérience. L'expérience qu'ils n'ont pas eu en fait l'année dernière en 2019. Ça fait plaisir d'avoir cette belle journée. En tout cas, c'est hyper plaisant, même s'il fait froid. La saison elle va vite arriver, hein. Je pense fin mars chez nous en France, ça va commencer. En Belgique, il commence deuxième quinzaine de mars, donc mi-mars. Ça va vraiment pas tarder. Tous ceux qui commencent à jouer les concours de vitesse pure en Belgique, les concours à partir de 70-80 km, ils vont commencer vers le 15 mars. Donc il reste un bon mois, ouais. Un bon mois, donc on va commencer à préparer les pigeons, entraînement 5 km, 10, 15, 20, histoire 2, et puis au bout de 4-5 entraînements, hop, ils vont aller à 70 km pour ceux qui vont commencer le 15 mars. Nous, je pense qu'on va commencer début avril, je sais pas trop. Et puis voilà, bah, que le meilleur gagne.